touché justement pour la réplique. La réplique de ce message qui a toujours été le message principal du Seigneur à son Église, celui d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Parce que c'est vrai qu'on se rend bien compte que dans cette génération maintenant, on a oublié le principal. Le principal, c'est celui non pas d'aller créer des églises, non pas d'aller créer des ministères, mais d'aller faire, d'aller vers les autres, vers ceux qui sont dans la perdition, à les ramener dans le royaume. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le point le plus important de ces messages. C'est-à-dire de rappeler encore à l'Église, de rappeler encore à ceux qui sont sauvés, en fait. À nous, que ce soit les pasteurs, que ce soit les chrétiens déjà, depuis des années, mais qui oublient souvent ce côté-là. Il y en a même, on voit même dans des familles, que dans les familles, les enfants sont presque perdus parce que les parents ne font même pas ce travail, ce rôle d'évangélisation, même au sein de la famille. Il est encore temps que le peuple de Dieu et l'Église en général puissent comprendre ce message-là. Ce n'est pas un message à dire, voilà, on va aller annoncer, ou aller, voilà, c'est la plus grande église, ou bien c'est la meilleure église, mais non, aller annoncer Christ. Et c'est ça l'important, c'est de témoigner de Christ dans nos vies, et puis aller vers les autres pour les amener à Christ, c'est ça l'importance. Le message particulier et personnel au peuple de Dieu, c'est de dire seulement que ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ni de témoigner de Christ. Et puis surtout, ne voyez pas autour de vous ce qui se passe, mais fixez vos regards sur le Seigneur, parce que c'est lui seul qui est la source de vie. Et même s'il y a des guerres, même s'il y a des problèmes, des situations, tout ce que vous pouvez voir autour de vous, la précarité, toutes ces choses-là, mais Dieu est le Dieu de justice. Il est au contrôle de ta vie, il est au contrôle de toutes choses et il conduira ta vie jusqu'à ce qu'il accomplisse ses volontés dans ta vie. Donc ne regarde ni à gauche ni à droite, mais marche avec assurance en fixant ton regard sur lui, parce que lui seul a le pouvoir de changer toutes les donnes afin que tu puisses entrer dans la dimension dans laquelle il t'a placé, ou alors jusqu'à t'emmener dans ta destinée prophétique. Parce qu'il y a une destinée pour toi et ta destinée, elle est glorieuse. C'est pour ça que le diable veut t'empêcher d'atteindre cette destinée. Mais il est capable. Confie-toi en lui simplement et laisse-toi aller par le Saint-Esprit. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté, ma liberté. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy Jesus. Are you Lord God? Holy, 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 holy.
de bonté, Dieu d'amour. Nous voulons entrer dans ta présence, dans nos demeures, dans nos maisons, Seigneur. Et que cette présence nous accompagne jour après jour. Et que ta parole, Seigneur, au-dedans de nous, puisse produire ce fruit que tu attends de nous. Dans nos maisons, dans nos familles, dans l'église, dans la nation. Seigneur, que ta révélation soit manifestée puissamment dans nos vies, afin que notre pays soit sauvé. Parce que toi, l'Éternel, tu te lèves pour accomplir une grande œuvre. Père de gloire, je te prie ce matin que ce que tu as accompli puisse se manifester encore et encore dans la vie de tes enfants. Voici ton peuple que tu as choisi, qui feront la différence dans cette génération. Alors je te prie, éternel Dieu de gloire, que la paix, que la joie et que l'amour du Seigneur soient votre partage maintenant et pour toujours dans le nom de Jésus. Et que le peuple dise Amen.